Mesdames et messieurs, chers amis de Léo Ndioléo, merci encore de nous faire confiance. La confiance est en train de monter, en tout cas, vous êtes très nombreux en train de nous suivre à travers le monde, en France, à Belgique, aux États-Unis, en Suisse, au Canada, un peu partout, même en Nouvelle-Zélande, vous êtes très nombreux à nous suivre pour cette émission Face à Face d'aujourd'hui. Vous l'avez demandé, il est de retour. Nous étions avec lui avant l'adresse du chef de l'État, le voilà revenir pour s'entretenir avec vous, chers internautes. Il s'agit bien de Michel Okongo Lomena. Maître Michel, bien évidemment, il est le président du parti politique Unité de Valeur. Maître Michel, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez été très sollicité par nos internautes. Ils ont d'ailleurs demandé que vous puissiez revenir après l'adresse du chef de l'État. Un motif de satisfaction quand même. Je compte sur eux, je les salue. D'ailleurs, autant que les peuples congolais qui nous suivent, qui soient toujours branchés, vigilants, parce que c'est le meilleur canal à travers lequel nous les adressons nos vies, mais aussi nous leur parlons de la République, qu'ils soient toujours mobilisés. Bien, ils sont mobilisés, comme vous l'avez si bien dit. L'actualité reste dominée, Maître Michel, au Congo, par l'adresse du chef de l'État à la nation. Les conclusions de ces consultations, en somme, vous personnellement, vous êtes satisfait? Est-ce que le président de la République a rencontré les attentes de la population? Merci de m'avoir posé cette question. Vous savez, moi j'ai fait un travail là-dessus. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de satisfaction. Le chef de l'État a consulté. Avant de pouvoir le faire, il avait compris que la situation ne marchait pas et il ne pouvait pas passer par 36 000 chemins. Il a préféré aller vers son peuple. Il a consulté, vous avez suivi, il a consulté toutes les couches de la société. Et puis au finish, il s'est prononcé. En ce qui nous concerne, nous pensons que nous avons été entendus. Pourquoi? Parce que vouloir s'accaparer du peuple congolais tel que Kabila l'a fait, il ne pouvait pas permettre au chef de l'État de pouvoir avancer parce qu'il a un mandat de 5 ans. Le peuple l'a élu pour 5 ans. Il vient de perdre à peu près 20 mois comme ça, où il était tout le temps tiraillé avec cette coalition diabolique qui se cache. Et aujourd'hui, nous allons peut-être en revenir là-dessus. Et ces choses faites, le fait que le chef de l'État est à la recherche d'une autre majorité dans le cadre d'un grand rassemblement, moi je pense que c'est ce qu'on devait s'y attendre. Je félicite, je profite de l'occasion pour féliciter le chef de l'État, mais également le peuple congolais qui a tenu le coup. Et voilà aujourd'hui. Nous avons eu gain de cause. Vous avez dit que vous êtes satisfait. Le président de la République a rencontré les attentes de la population, alors que lors de notre dernière émission avec vous, vous vous attendiez à ce que le président de la République puisse prononcer officiellement la fin de la coalition FCC-CACH. Vous avez dit que la population voulait aussi la dissolution de l'Assemblée nationale et la nomination d'un nouveau Premier ministre. Parmi les annonces du chef de l'État, l'annonce phare se trouve être la désignation d'un informateur dans les jours à venir. Mais le reste, il n'a pas dit qu'il devait mettre fin à la coalition FCC-CACH, il n'a pas dit qu'il devait dissoudre l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une satisfaction à moitié. Non, non, il faut savoir lire à travers les lignes. Vous savez ce qui se passe, même ce matin, vous êtes journaliste, vous savez ce qui s'est passé, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, nous allons y revenir également. Nous allons y revenir. Je vous dis que lorsqu'on voit la méthodologie qui est appliquée, en fait, c'est quoi? Nous n'allons pas applaudir lorsque nous voyons les gens en train de s'entre-déchirer, mais il fallait passer par là. La méthodologie du chef de l'État, elle est bonne. Et ceux qui ne veulent pas comprendre que le mariage FCC-CACH
aujourd'hui est rempli. Ce sont les gens qui ne veulent pas, qui n'ont pas la faculté d'analyse, peut-être de compréhension. Le chef de l'État a dit ce qu'il fallait dire. Le chef de l'État a compris que avec cette alliance, rien ne pouvait marcher. Bon, encore une fois, vous savez, l'unité de valeur est le premier à avoir fustigé cette alliance. Nous l'avions fait au mois de janvier, juste avant la prestation du serment qui a eu lieu le 24 janvier 2019. Et puis juste après la prestation de serment, nous avons encore une fois fustigé cette alliance. Moi, je ne veux pas qu'on revienne beaucoup sur ce qui vient de se passer. Le chef de l'État a pris son courage, il a tranché. Il veut maintenant c'est que le Congo puisse accéder à un nouvel ordre politique. Et vous imaginez ma joie, vous imaginez la joie des Congolais qui ne voulaient que ça, parce que c'était compliqué. Le FCC avait ramené le chef de l'État au niveau d'une autorité morale. Et puis, je l'ai toujours dit, Kabila étant une autorité morale, puis il a ramené le chef de l'État au niveau de l'autorité morale, et à chaque fois où il y avait des sérieux problèmes du pays, il s'arrangeait pour qu'il y ait une concertation entre les deux. J'ai dit que c'était un hold-up politique, mais aujourd'hui, je crois que les choses sont en train de prendre la bonne direction. Mais encore une fois, il faudrait que les peuples congolais puissent s'élever. Mais c'est comme si on parlait même discours avec le chef de l'État. Il y a quelques jours en arrière, j'avais demandé au peuple congolais de s'élever afin de recouvrir ou de recouvrer sa souveraineté effective. Donc, ce n'est que le début. Et moi, j'avais écrit également à Mabunda, donc à tous les députés à travers Mabunda. Lorsque vous lisez ce que j'avais écrit, j'avais demandé qu'ils étaient là. Donc, ces députés-là, à quelques exceptions près, étaient l'émanation de la fraude électorale et de la corruption. Mais comment voulez-vous qu'on puisse parler de l'émergence dans ces conditions-là? C'est le début d'une nouvelle ère. Nous n'allons pas lâcher, nous allons continuer à être vigilants. Le FCC doit aujourd'hui faire l'opposition, tout simplement. Voilà la situation. Le FCC doit faire l'opposition, comme vous l'avez dit, mais le chef de l'État a dit vouloir, parce que ce n'est pas encore effectif, désigner un informateur en vue de dégager, d'identifier une nouvelle majorité parlementaire, ce qui dit qu'il y aura un nouveau gouvernement. Mais nous avons suivi. Hier, le chef de l'État avait reçu le Premier ministre lui demandant de démissionner. Le Premier ministre a refusé catégoriquement. Il dit attendre à ce que le président de la République puisse nommer un nouveau Premier ministre afin qu'il démissionne. Est-ce une crise, une nouvelle crise qui commence déjà entre le chef de l'État et le Premier ministre? Vous voyez, le FCC, c'est une machine qui est faite pour bloquer la situation. Ce n'est pas une machine qui a été conçue pour faire avancer le Congo. Et ça, ça n'étonne personne. Le président de la République ne peut pas être en déphasage avec son premier ministre. Les choses étant ce qu'elles sont, le premier ministre de Lukamba doit saisir la perche que l'histoire est en train de lui tendre. Il n'a qu'à démissionner parce que je ne vois pas dans quel contexte il va chercher à s'accrocher et diriger. Parce aujourd'hui, que c'est une crise imaginaire créée par le chef de l'État. Je ne vous laisserai pas dire ça. Nous sommes dans un processus de rupture. Il faut qu'il y ait cette rupture-là afin qu'on puisse organiser autre chose, qu'on puisse envisager un autre départ. Et le tout premier départ ayant échoué. Donc, si le FCC pense pouvoir nous amener vers une crise,
Mais il est en train de se tromper parce que nous avons le peuple avec nous. Vous voyez, nous avons le peuple avec nous. Donc ça ne sert à rien qu'il s'accroche de cette manière-là. Moi, je soutiens le chef de l'État du fait qu'il est à la recherche d'une nouvelle majorité. Le FCC a pris en otage des députés, des sénateurs et un peuple tout entier. Maintenant que les gens veulent se libérer, les gens veulent servir la République loyalement, mais je pense que il faudrait que Ilou Kamba puisse comprendre que l'air a sonné pour l'air de part. Bon, il va essayer de résister, mais nous, vous n'allez pas résister contre pendant la République. Pendant cette résistance, c'est la population qui en souffre. Non, mais la souffrance de la population n'a pas commencé hier. Cette population a toujours souffert. C'est comme dans le domaine médical. Vous avez quelqu'un qui souffre, qui présente une pandémie de longue durée. Et si le médecin pense que avec le traitement prescrit, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer par une intervention chirurgicale pour extraire le mal. Donc il faut passer par là, il faut passer par cette intervention chirurgicale afin que le peuple puisse se retrouver. C'est une pilule amère, mais il faut passer par là, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maître Michel Okongo, vous êtes juriste de formation. J'aimerais que nous puissions un tout petit peu interroger la loi sur cette question. Le chef de l'État va nommer un informateur alors qu'il y a un gouvernement en place. N'est-ce pas une violation de la Constitution? Pendant qu'il y a un gouvernement soutenu par une majorité parlementaire, le chef de l'État se permet de nommer un nouvel informateur. Ne voyons pas les choses de cette manière-là. La grande violation constitutionnelle a eu lieu pendant ou avec les élections de 2018. C'est en ce moment-là où Kabila avait violé la Constitution. C'est en ce moment-là où Kabila avait boycotté et tout le principe démocratique. Maintenant qu'il a obtenu une majorité dans les conditions que nous avons à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les institutions provinciales. Et nous nous posons la question, en faisant tout ce qu'il avait fait, c'était pour quel but? Et nous voyons que c'était dans le but de prendre le pays en otage. Mais alors, la logique veut que nous puissions aujourd'hui nous y arrêter. C'est ça. Il faut aujourd'hui que le peuple congolais, que le président de la République puisse mettre fin à tout cela afin que nous puissions y aller autrement. C'est pourquoi vous avez vu que le chef de l'État est à la recherche d'une autre majorité. Je vous apprends qu'il a consulté. Il y a aussi des rapprochements au niveau des groupes parlementaires, mais aussi avec d'autres députés et sénateurs. Mais si tout d'un coup aujourd'hui ceux qui veulent servir la nation se décident à avoir une plateforme en quelque sorte qui puisse aider les uns les autres à pouvoir avancer, moi je crois que ça va. Donc ne voyons pas l'acte qui est posé aujourd'hui comme étant une violation constitutionnelle, mais c'est un ras-le-bol. Parce que lorsque vous suivez les chefs de l'État, qui vous dit que lorsqu'il a consulté, il a vu la rage, vous voyez, dans le visage des Congolais. Mais nous ne pouvons que voir les choses autrement, pas en termes de violation. Il va constituer une nouvelle majorité parlementaire avec ces mêmes députés-là que vous vous êtes en train de fustiger aujourd'hui, que vous êtes en train de remettre en cause l'élection. Ce sont ces mêmes députés-là avec qui Félix Tshisekedi va constituer une nouvelle majorité parlementaire. Mais faute d'avoir ce que nous voulons, vous voulez qu'on fasse quoi? C'est à moins que vous allez reconnaître qu'ils sont les députés. Nous ne sommes qu'au début du processus. De toute façon, ces députés-là,
qui ont eu accédé à l'hémicycle par la fraude et la corruption, ils auront des comptes à rendre. Nous sommes dans un premier temps, c'est tout un processus. Moi je crois que c'est un processus, le peuple se mettra d'accord pour faire ce qu'il faudrait avec le temps. C'est ce que moi je vais, je pense que... Mais en entendant, le président de la République va composer avec ces mêmes députés-là qui n'ont pas été votés. Malheureusement, hélas, malheureusement, parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Qu'ils reviennent, je crois, le problème c'est que les fils se sont tellement entremêlés. Parce qu'on ne peut pas engager la guerre de cette manière-là en pagaille. Mais je crois qu'il faudrait qu'on trouve un mécanisme pour pouvoir respecter demain les institutions et les modes de fonctionnement des institutions. C'est une question délicate. Mais je vais vous dire une chose. Je vous ramène dans la Bible. Vous savez, le pain des propositions, David l'avait mangé. Et pourtant, c'était interdit. Mais il l'avait fait pour la bonne cause. Mais aujourd'hui, si les chefs de l'État pensent que pour avancer, pour ne pas soumettre le peuple à une autre élection, il a souhaité pouvoir avancer avec cela, à condition qu'il puisse revenir à la raison. C'est en quelque sorte ce que David avait fait. Il a mangé le pain, la proposition, parce qu'il avait faim. Mais c'était pour la bonne cause. S'il faut en arriver là, moi je crois que c'est... Ce serait compris par notre population. Ils ne seront plus voleurs, ils ne seront plus tueurs, ces toits-là, ils seront des saints comme le président Félix. Non, je vous ai donné un exemple. Vous savez, les gens du FCC, peut-être certains auront à écrire leur mémoire. Ils ont été pris en otage par un homme, Joseph Kabila. Peut-être que tout le monde voulait qu'il y ait des bonnes élections afin que les plus méritants soient votés, élus. Mais le système a voulu qu'on puisse les nommer comme ça. D'où je parle de la corruption, la fraude électorale. Mais maintenant, vous me posez la question. Je reviens sur ce que je vous avais dit. Si cela n'est pas suffisant, je vous parle des disciples de Jésus qui ont cueilli les épis dans un champ parce que c'était un dimanche. Ils en ont cueilli pour manger parce qu'ils ne pouvaient pas mourir de faim alors qu'ils étaient au service du Seigneur. Ils arrivent dans un champ, un dimanche, c'était interdit, ils ont cueilli. Donc c'est pour vous dire que nous sommes avant tout les Congolais. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que nous voulons faire du Congo demain. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la fermeté avec laquelle nous allons nous battre afin de mettre fin à un système, je dis bien à un système, qui a pris en captivité tout un peuple. C'est là notre combat. Votre combat, c'est mettre fin à ce système. Si aujourd'hui, Michel Okongo, Félix Tshisekedi ne parvenait pas à obtenir cette majorité parlementaire qu'il est en train de chercher. Non, nous sommes en politique. Moi, je ne veux pas mettre la charrie devant le bœuf. Tout ce que je note, c'est que le peuple congolais est déterminé à aller de l'avant. Et c'est d'abord le peuple qui s'exprime. On a vu 305 députés, je crois bien, FCC, qui ont renouvelé leur loyauté à leur autorité morale. C'est un peu difficile pour Félix Tshisekedi d'obtenir cette majorité. C'est une histoire de cœur. Ne voyons pas l'apparence, c'est une affaire de cœur. Les gens sont en train d'exprimer leur cœur. Ils laissent leur cœur s'exprimer. Et c'est pourquoi... Personnellement, j'en appelle à la responsabilité et ces députés et sénateurs qui sont aujourd'hui au fait de l'actualité. Et l'occasion leur est offerte aujourd'hui de pouvoir s'amender. Parce qu'il nous reste quoi, 3 ans avant d'arriver à la fin
de cette mandature. Après, nous aurons des élections. Et j'espère que cette fois-ci, ce sera, on aura de bonnes élections. Maintenant, la seule façon à ces députés-là de s'amender, c'est de pouvoir changer, se mettre à la disposition de notre peuple. Voilà. Donc ça ne sert à rien de présenter 400 par là, 305 par là. Le pouvoir Kabila n'existe plus. Ça, c'est vous qui le dites, mais en réalité, ce n'est pas ça. Je n'ai pas dit que nous devons dormir sur nos deux lauriers parce que tout est fini. Sachant que Kabila, je l'ai fait savoir dans mon communiqué, j'ai dit nous devons rester vigilants. Il a fait son temps et tout ce qu'il a fait après le 24 janvier 2019, c'était de tirer le Congo vers l'arrière. Et aujourd'hui, le peuple s'est levé. Ce n'est plus une affaire de politiciens. Nous voyons le peuple s'élever. Donc, ces députés doivent saisir de l'occasion pour pouvoir s'amender. Donc, on ne peut pas projeter les événements. Vous avez dit que vous ne voulez pas me mettre la charrie avant le bœuf. Si Félix Tshisekedi n'obtenait pas cette majorité parlementaire, mettez-vous à sa place. Si aujourd'hui Michel Okongo était président de la République, en train de chercher cette majorité parlementaire dans le contexte actuel, et elle ne la trouvait pas, ça aurait été quoi votre... Non, moi je ne peux pas me mettre à la place du chef de l'État, c'est impossible. Mais vous pouvez moi je suis chef de l'État demain. Non, ça c'est une autre paire de manches. Pour aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est le président de la République. Et moi, je ne peux pas me mettre à sa place pour commencer à imaginer des choses. Tout ce que je lui dois... C'est peut-être un plan B que vous pouvez aussi donner au chef de l'État. Non, ça se passerait jamais de cette manière. Je sais, si j'ai des idées à faire parvenir au chef de l'État, je sais comment ça se passe, mais ce n'est pas à travers la caméra. Tout ce que je suis en train de dire, nous sommes dans un processus politique où le chef de l'État est en train de batailler fort heureusement avec l'appui de notre peuple. Et il a son agenda. Il a un agenda qu'il a, ou alors ce qu'on appelle un fil rouge qu'il est en train de suivre. Et je crois que tous les acteurs politiques seront conséquents. Parce que nous avons vu pendant 18 ans la Kabylie qui s'est accroché au pouvoir n'a rien fait. Deux ans de plus, ça lui a servi juste à tirer le Congo vers l'arrière. Donc, aujourd'hui, l'avenir dépendra des actions courageuses des acteurs politiques et de tous ces députés-là et sénateurs qui ont toujours évolué dans la magouille, dans la corruption, et c'était ça leur source. Et le chef de l'État, je pense que c'est quand même un homme politique qui prend ses responsabilités. Il saura quoi faire. Si une fois il n'a pas cette majorité dont vous parlez, ce qui m'étonnerait. Parce qu'il a jaugé la situation. Je ne dis pas qu'il a jaugé le cœur des Congolais, mais il a jaugé la situation pour savoir par quel pied avancer. Le FCC n'est pas resté sur ses lauriers. Le FCC a également fait une sortie fracassante. J'aimerais, avant de continuer... Vous appelez ça fracassante? J'aimerais d'abord que nous puissions suivre cette sortie, okay. Cette déclaration du FCC, et puis on recommence avec cette histoire du FCC. Déclaration politique du Front commun pour le Congo. FCC en sigle. Réunis en session extraordinaire ce lundi 7 décembre 2020, et après avoir suivi les discours du chef de l'État sur ses consultations, initiées le 2 novembre 2020, la conférence des présidents des partis et regroupements politiques du FCC fixe l'opinion sur cette issue. Quoique n'ayant pas participé à ces consultations, pour des raisons antérieurement exprimées, et en dépit de leur caractère non inclusif, le FCC note que les conclusions unilatérales qu'en tire le président de la République
violent gravement la Constitution et servent de prétexte pour liquider par l'instauration d'un régime dictatorial au service d'un pouvoir personnel les institutions démocratiques établies au terme des dernières élections générales du 30 décembre 2018. En effet, 1. La désignation d'un informateur là où existe un gouvernement de plein exercice, soutenu par une majorité confortable, est une violation flagrante et intentionnelle de la Constitution. La Constitution ne reconnaît pas au président de la République la compétence de démettre le gouvernement. 2. L'FCC rappelle que dès la constitution de la coalition, constatée par le communiqué conjoint FCC-CACH du 6 mars 2019, il avait une majorité absolue issue des élections des 338 députés nationaux sur les 500 qui composent l'Assemblée nationale, à laquelle se sont juste greffés 47 députés du CACH. Depuis lors, cette majorité a été systématiquement confirmée, y compris il y a quelques jours, à l'occasion du vote du budget de l'exercice 2021, présenté par le gouvernement. Dès lors, nonobstant les multiples actes de corruption avérés à l'endroit des députés nationaux opérés par le CACH, affirmer que cette majorité s'est effritée est sans fondement et contraire à la Constitution. 3. Le gouvernement reste soutenu par une large majorité qui vient de démontrer à travers le vote du budget de l'exercice 2021 qu'elle est au service du peuple. Il revient plutôt au CACH de tirer toutes les conséquences de la décision de mettre fin à la coalition annoncée par son autorité morale en se retirant du gouvernement central et des gouvernements provinciaux auxquels il participe, ce qui entraîne d'office la cohabitation. Cependant, l'FCC rappelle que la finalité de l'accord de coalition signé par l'autorité morale du CACH et l'autorité morale du FCC était la paix, la stabilité et le développement du pays. 4. Justifier les projets prémédités d'une dissolution de l'Assemblée nationale en dehors de toute crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale en prétextant d'une prétendue divergence entre ces deux institutions autour de la question de la prestation des serments des nouveaux juges nommés illégalement à la Cour constitutionnelle, alors que par ailleurs, les gouvernements et l'Assemblée nationale avaient le même point de vue sur cette problématique. C'est non seulement falsifier la vérité, mais aussi une tentative de violation grave et intentionnelle de la Constitution. 5. La menace de dissolution de l'Assemblée nationale constitue une intimidation qui n'a pas lieu d'être dans une démocratie, étant entendu par ailleurs que les conditions de cette dissolution, pourtant clairement définies dans la Constitution, ne sont pas réunies. Qu'à cela ne tienne, si le président de la République estime qu'il y a matière à contestation de légitimité des députés nationaux, le FCC rappelle que ces derniers et le président de la République sont issus des scrutins combinés et que cette problématique induirait logiquement l'organisation des élections générales anticipées à tous les niveaux, présidentielles, législatives, nationales et provinciales. 6. Le FCC dénonce de la manière la plus ferme l'usage abusif, flagrant, des moyens de l'État par le CACH, justice, services de sécurité, police, argent de l'État en vue de faciliter la confiscation des libertés publiques et l'exécution d'un coup d'État constitutionnel. Il rappelle que la dispensation politique actuelle est issue des urnes et que les libertés fondamentales d'expression et de mouvement qui sont constitutionnelles ont été conquises de hautes luttes.
de ce qui précède. 1. Le FCC prend acte de la décision du président de la République de mettre fin à la coalition, avec les conséquences qui s'imposent pour les cash telles qu'évoquées au point 3 de la présente déclaration. 2. Le FCC ne se sentant nullement concerné par les annonces inconstitutionnelles du chef de l'État, le rejette en bloc. Il assure son ferme soutien au Premier ministre et son gouvernement, ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. 3. Le FCC qui prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale sur la crise institutionnelle que tente de créer artificiellement le président de la République et sa famille politique, usera de tous les moyens de droit et politique pour y faire face et fixera sa conduite à tenir dans les prochaines heures. Le FCC informe le public qu'il va demander à son autorité morale, le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de donner sa part de vérité afin d'éclairer l'opinion sur la situation politique du pays ainsi créée par le président de la République. On a suivi une déclaration de 8 minutes du Front commun pour le Congo. L'FCC rejette d'abord en bloc cette décision du président de la République et invite ce qui a retenu mon intention, c'est le fait pour l'FCC d'appeler le cash, les ministres cash, de quitter le gouvernement afin de basculer à la cohabitation. Ça ne peut pas inquiéter quand même. Non, c'est un réflexe des mauvais perdants. C'est cela. Est-ce que vous savez, vous pensez que la petite déclaration du FCC faite dans un coin par Némi Mwilanya va faire trembler la République? Mais le FCC a perdu. Il doit accepter la réalité. Aujourd'hui, c'est fini. On a fini avec l'esclavagisme. Auquel le FCC a soumis tout un peuple, c'est fini, c'en est fini. Et s'il veut agiter les bouts du ciel, qu'il le fasse. Mais il ne fait, fait pas peur aux Congolais. C'est du déjà-vu. Donc on voit comment les choses se rétrécissent et, au sein du FCC. Des grandes réunions à Kingakati, on n'en voit plus. Mais on voit un ennemi réclus dans une petite pièce en train de lire sa déclaration qui ne fait peur à personne. Vous voyez? Et c'est ça la réalité. C'est mauvais, c'est un réflexe de mauvais perdants. C'est comme ça qu'on doit conclure ça. Vous dites que c'est un réflexe de mauvais perdants. Autrefois, nous avions évoqué cette question. Vous nous avez dit que les billets des banques circulaient pour acheter les regroupements politiques, pour acheter les députés. Là, le FCC n'avait pas encore fait cette déclaration. Aujourd'hui, le FCC venait de les confirmer parce que ce sont les députés FCC qui sont approchés. Ce sont les regroupements du FCC qui sont approchés. Certainement, ils peuvent avoir raison de dire que le cash est en train de faire circuler les billets des banques pour acheter les regroupements politiques du FCC. Essayez de me faire comprendre parce que je ne comprends rien. Qui fait circuler les billets des banques? Le cash, bien évidemment. C'est une affaire d'arroseur arrosé. On connaît les pratiques du FCC. C'est dans sa tête. Pour lui, on a fait retourner des députés, des sénateurs moyennant les coupures, les billets des banques. Ça, c'est comme ça. Pour le FCC, donc on ne peut pas parler de conscience nationale, on ne peut pas parler de prise de conscience. Encore une fois, je crois que c'est minable la part du FCC, qui n'a aucun respect pour les députés qu'il a pris en otage. Mais toutefois, s'il s'avérait que les billets des banques ont circulé de la manière où vous me dites là, je les condamne. Je le condamne. Mais je pense que moi j'ai été dans l'UDPS, dans la grande école,
Là-bas, on nous a jamais appris la corruption. C'est la conscience. À l'époque, l'UDPS n'avait pas encore des moyens comme aujourd'hui, peut-être. Non. Vous savez, même si l'UDPS est au pouvoir aujourd'hui, mais tous les membres ne roulent pas dans l'or. Ils ont gardé les mêmes réflexes. C'est-à-dire, on sait donner ce qu'on a. Je vous dis tout simplement que s'il y a des billets de banque qui ont circulé, je suis le premier à les condamner. Mais venant du FCC, je me dis que c'est un arrosé tout simplement. Et l'FCC a une tête malade. Donc, lorsque le peuple fait une prise de conscience, pour le FCC, les billets ont circulé. C'est étonnant. L'FCC a également évoqué quelque chose de très important. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, prône l'état des droits, bien évidemment. Mais c'est quand même surprenant de voir Félix Tshisekedi, qui sort d'une école de la démocratie, violer intempestivement la Constitution. Parce que le FCC l'a également soulevé, en commençant par la nomination des mandataires publics, la SNCC, la GECAMINE, bien évidemment. La nomination des juges constitutionnels, qu'est venue toute cette crise. Quand la République ne pouvait pas faire marche en arrière, voir que bien j'ai violé la Constitution, que je puisse appeler les partenaires de la coalition pour négocier. Non, je vais vous rendre attentif sur un fait. Notre émission ne doit pas servir à une tribune où nous venons faire un procès au chef de l'État. C'est un fils du pays qui a pris son courage de demain pour sauver le pays. Mais après, pour celui qui pense que le chef de l'État a violé la Constitution, il n'a qu'à saisir la Cour constitutionnelle qui est chargée de veiller sur tous les actes inconstitutionnel. Alors, moi, j'aurais souhaité que nous puissions parler de notre pays, que nous puissions parler du social, que nous puissions parler de l'insécurité à l'Est. Et commencer à faire un procès, c'est le chef de l'État, il a fait ça, il a fait ci, je ne pense pas que ce soit ce qui va nous avancer. Je vais peut-être, me permettez de terminer ma phrase. Unité de valeur, c'est un pays légaliste. Jamais nous n'aurons à cautionner la violation. Le chef de l'État est aujourd'hui au four et au moulin. Il est vraiment exposé. D'une part, il y a quelqu'un, les FCC, et son autorité morale qui l'a pris en otage. D'autre part, vous avez également des hommes politiques de chez nous qui ne veulent pas avoir une compréhension, une nette compréhension sur les affaires du pays. Et voilà, l'homme est tellement agité. Et non. La trésorerie est tellement asséchée. Il faut trouver de l'argent. Il faut faire en sorte que le pays puisse renaître. Tout cela, je crois que l'essentiel est ailleurs. Cette histoire-là des FCC, c'est fini, c'était une histoire de triste mémoire, c'en est fini et il faut regarder vers l'avant. Regarder vers l'avant signifie l'intérêt de la population. Aujourd'hui, dans tout cela, qu'est-ce que le peuple a gagné? Parce que jusque-là, le peuple continue à souffrir. Le peuple jusque-là ne retrouve pas son compte. Ou qu'est-ce que le peuple va gagner dans les jours à venir? Le peuple s'est frayé un chemin. Vous savez, les grandes manifestations, ce ne sont pas les politiciens qui les avaient organisées. Des grandes manifestations à travers lesquelles nous avons obtenu certaines avancées, c'est le peuple. Donc, le peuple, petit à petit, est en train de gagner dans sa souveraineté, dans l'espace où il peut aujourd'hui s'exprimer. Donc c'est une victoire à plusieurs branches. Je dois vous avouer que le peuple est tenté de gagner petit à petit. Mais l'effectivité de cette victoire, on les verra avec le temps.
Voilà ma façon de voir les choses. Bien, Michel Okongo, nous sommes en train de nous diriger vers la fin de l'émission, mais j'aimerais quand même que nous puissions prendre aussi ces sujets qui retient l'attention de l'opinion publique. C'est ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. On a vu les jours passés les scènes horribles qui s'y sont déroulées, les députés cassés, les objets au sein de l'hémicycle. On a vu les assistants parlementaires se battre à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est quand même quelque chose à ne pas encourager. Vous, en tant que légaliste, en tant qu'homme de valeur, en apprenant ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, parce que tout est parti de la pétition contre Jeanine Mavunda et son bureau, vous, en tant que légaliste, en tant qu'homme de valeur, comment avez-vous jugé ce comportement des honorables députés? Vous savez, c'est regrettable. Le Congo est tombé trop bas à cause de quelques individus mal intentionnés, des individus qui se font appeler députés, qui ont été formés dans la moule de la Kabylie. Ce sont eux qui cassent. Vous voyez? Et ce n'est pas digne, ce n'est pas non plus responsable. Encore une fois, c'est ce qui a fait dire le chef de l'État qu'il a vu la rage dans le visage des Congolais. C'est l'expression de cette rage-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je sais que, quelle que soit la durée de la nuit, la lumière finira par poindre à l'horizon. Nous cheminons vers cette lumière-là. Je pense que ce serait la dernière fois dans l'histoire de notre pays où on aura des députés, des représentants du peuple en train de casser l'outil essentiel de notre démocratie. Encore une fois, c'est vraiment les regrets. Je suis dans les regrets. Les députés du FCC nous ont fait voir ce qu'ils ont appris. Chaque fois quand ils vont. Députés UDPS. Mais si vous. Pensez que nos correspondants à l'Assemblée nationale nous ont rapporté. Non, non, qu'ils soient de l'UDPS, qu'ils soient du CASH ou du FCC, cet acte est à condamner. Parce qu'on ne peut pas bousiller les outils de la République. Moi, je condamne. Vous savez, l'hémicycle, c'est un espace démocratique. Et c'est fait pour régler les affaires du pays. Parce que ceux qui sont à l'hémicycle, les députés, en fait, ce sont les représentants du peuple. Ils sont censés représenter le peuple valablement. Mais ça m'étonnerait que le peuple puisse les envoyer là-bas pour casser. Donc, ils sont en déphasage avec leur peuple. C'est incondamnable. Parce que tout ce qui se fait là-bas, c'est avec les moyens de la République. C'est les contribuables qui payent. Et là, les contribuables doivent devoir mettre la main dans la poche pour payer. Parce qu'il faut réfectionner tout ce qui a été cassé. Voilà, le Congo est tombé trop bas. Il faut changer l'image du Congo. Il faut redorer l'image du Congo. C'est pourquoi il faut un nouvel souffle ou un nouveau souffle. C'est là où j'ai rejoint le chef de l'État. Mais je crois que cette fois-ci, il fera un bon choix de personnes, des individus qui vont l'accompagner. Nous sommes partants parce que la République, elle est tombée à terre. Il faut la relever au plus vite. Voilà. Avant de terminer cette émission, j'aimerais quand même nous puissions prendre aussi certains points parce que nous sommes appesantis beaucoup plus sur le FCC et le CASH. C'est l'actualité, oui. Oui, dans l'adresse du chef de l'État, j'aimerais que nous puissions prendre aussi certains éléments. Tout à fait. De l'adresse du chef de l'État, entre autres, le chef de l'État veut réintroduire l'élection à deux tours, la présidentielle à deux tours.
est-ce que cela n'ouvrira pas la voie à une révision constitutionnelle qui pourrait peut-être pénaliser d'autres choses? Moi, j'adhère à cette idée, mais je pense que notre démocratie est fragile présentement. Je suis celui qui avait combattu la loi de Kabila de 2011 qui avait fait passer l'élection présidentielle de 2 à 1 tour. J'avais démontré la nécessité d'avoir une élection à 2 tours, une élection présidentielle. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez 21 candidats présidentiels, comme c'était le cas, on était 26, vous connaissez l'histoire. Moi, je me suis rétracté. Ils sont restés 25, puis au finish, 21. C'est le Congo qui se retrouve partagé, voilà. Qui se retrouve écartelé sur 21 candidats. Chacun a son discours. Au bout, donc, arrivé à la fin du premier tour, qu'est-ce qui se passe? Au deuxième tour, vous allez vous retrouver seulement avec 2 candidats. Ça veut dire que sur les 21, vous aurez les 19 autres qui ne feront plus partie. Et les manœuvres politiques veulent que les autres puissent aller puiser par des accords l'électorat au sein des 21. Et ce sont disons au sein des 19. Ce sont les 19 là, les leaders de ces 19 là qui vont avoir un langage, un conseil, vous donner un conseil, chacun respectivement à sa base. Et avant le deuxième tour, vous aurez le Congo divisé seulement en 2. Et après l'élection, puisqu'il y a toujours un gagnant et un perdant, le perdant fera son discours pour dire que non, nous sommes derrière le nouveau chef d'État élu. Et le chef de l'État élu fera un discours de politique générale où il va dire qu'il est le président de tous les Congolais. Là, l'avantage c'est quoi? C'est que vous avez la population qui était l'espace des élections, qui s'était fragmenté, qui se retrouve. Voilà. Maintenant, faire ce que Kabila avait fait là, voilà, nous avons eu 2 élections qui sont passées dans de mauvaises conditions. Alors, si le chef de l'État envisage de revenir au système de deux tours, ce n'est pas mauvais. Ça veut dire que nous allons passer par la révision constitutionnelle. À moins qu'il puisse abroger la loi, la fameuse loi de Kabila. On peut passer aussi par cette procédure. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Modifier également le scrutin des sénateurs et gouverneurs. Oui, ça c'est... Là, ça va nécessiter une révision constitutionnelle. Moi, je crois que pour l'instant, ce n'est pas permis parce que nous avons beaucoup de priorités. Mais on peut envisager, tel que le chef de l'État l'a dit, il faut envisager tout simplement, mais il ne faut pas donner des délais que l'élection prochaine se passera avec un autre mode de scrutin. Il faut attendre que les choses se fassent graduellement. Que ça se fasse graduellement parce que notre démocratie étant faible, très affaiblie par les presque 20 ans de la Kabylie, 18 plus les 2 ans qu'il vient de faire avec Kabila, donc nous n'allons pas chercher à aller trop vite. Supprimer le ministère de la décentralisation pour le réintégrer au sein du ministère de l'Intérieur. Oui, la territoriale, c'est le ministère de l'Intérieur. Vous avez vu avec ces ministères créés à dessein, ça nous a fait beaucoup de tort. Et moi, je crois que ça, je suis partant. Ça, c'est dans la composition. Et je crois que ça ne pose pas de problème, ça n'a rien à voir avec la révision constitutionnelle. C'est un ajustement que les chefs de l'État peuvent se permettre de faire. Assurer le vote des Congolais de l'étranger et permettre aux Congolais de l'étranger d'avoir
leurs représentants au sein de l'Assemblée nationale. Ça relève de la CENI d'abord. La CENI, c'est à la CENI de voir, d'inclure ça dans sa loi. On peut faire voter les Congolais, le sérieux, mais je vous dis en connaissance de cause. Tous ce ne sont pas connus ni enregistrés par nos ambassades. Vous savez, il y a plusieurs catégories de Congolais qui sont à l'extérieur. Vous avez les requérants d'asile, vous avez des réfugiés, et vous avez ceux qui sont là pour le séjour des circonstances, vous avez également des résidents. Les deux premières catégories, donc les requérants d'asile et les réfugiés statutaires, ne sont pas autorisés par les pays d'accueil de se mettre en contact avec leur pays d'origine. Or, ce sont ces deux catégories qui sont nombrées là-bas. Donc, ça va créer un problème sur le plan technique, mais à condition que la CENI puisse intégrer un mécanisme très rigoureux et de pouvoir les comptabiliser. Réformer la loi électorale, la CENI avant la désignation de ses animateurs. C'est ce que moi je pensais. Mais le chef de l'État a dit le contraire, je pense. Lui, il a dit qu'il faudrait d'abord commencer par voter, je pense, à moins que je me trompe. Réformer la loi électorale d'abord. C'est ce qu'il a dit d'abord. Maintenant, il a raison, parce qu'il faut réformer. Non, attendez, il ne faudrait pas qu'on mélange les pédales. Moi, j'aurais souhaité que nous puissions d'abord mettre sur pied la nouvelle équipe et puis réformer la loi par la suite. Parce que vous avez des techniciens qui sont là. Vous allez commencer à réformer. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faudrait en tenir compte. Moi, j'aurais souhaité qu'on puisse d'abord mettre une nouvelle équipe et puis réformer par la suite. Bon, c'est lui le visionnaire, donc le garant de la nation. S'il pense qu'il faut commencer par ce que vous dites là, ce serait à lui de juger. Bien, Michel Okongo, je crois que nous avons passé en revue l'adresse du chef de l'État. Nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin avant que nous puissions terminer. Le mot de la fin. Je veux que les Congolais sachent que notre combat, le vrai combat, c'est de faire en sorte que chaque Congolais puisse manger matin, midi et soir, comme c'était le cas dans le passé. Le vrai combat, c'est de faire en sorte que lorsque un Congolais a des ennuis de santé, qu'il puisse bénéficier d'une sécurité sociale, qu'on puisse avoir les moyens de les traiter. Le vrai combat que nous sommes engagés à mener, c'est de faire en sorte que les taux de scolarité soient élevés, que nos enfants puissent aller à l'école dans de meilleures conditions. Notre combat, c'est de faire en sorte qu'on puisse donner du travail aux Congolais, qu'on puisse élargir l'espace emploi, afin que chaque Congolais puisse avoir un travail. Donc voilà la priorité aujourd'hui. Les restes, les combats politiques, nous continuerons à nous battre contre les antivaleurs. Et je vous garantis que tant que j'aurai un peu de force, moi et mon équipe que j'ai salue, nous serons toujours à la disposition de la République, nous serons toujours là pour combattre les antivaleurs et toute forme de corruption, toute forme de vol, de pillage. Et voilà ce que j'aimerais demander au peuple congolais. Soyez sereins, soyez vigilants, car le meilleur est à venir. Merci une fois de plus, Michel Okongo. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes président de Unité de Valeur. C'est un parti politique œuvrant en République démocratique du Congo. Merci également à vous, chers internautes. Vous avez été très nombreux à nous écrire, vous avez été très nombreux à nous suivre. Vous qui n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications de nos émissions. Un grand merci à Thierry Batondoko qui était au cadrage. Exaucé Odinga, Russell Yenga pour la partie technique. Merci également à Bijou Maïkani pour la coordination, sans oublier Odon Boulamba, la cheville ouvrière de Léon Joléo qui nous suit depuis la Nouvelle-Zélande. Vous également, tous les Congolais de la diaspora, nous vous saluons en passant. Cette émission est arrivée à la fin. Nous sommes là pour vous servir et on se retrouve à la prochaine.